Salut les terriennes et salut les terriens. Le live des platistes du samedi 16 septembre 2017 a commencé, avec beaucoup de retard, sur les chapeaux de roue, par un discours magnifique de notre ami planétérien Renaud, je cite. Si vous avez un lien pour avoir le montage de l'ISS, on a des bouts et fragments, on sait pas trop ce qu'ils font, c'est là qu'on voit en plus la feuille de carton pour ouvrir l'ISS, alors si c'est ça le montage, j'arrive pas à trouver. J'ai trouvé une vidéo de 5h25, j'ai zioté et franchement, on sait pas ce qu'ils font, je te jure, on sait pas ce qu'ils font, aucune idée. L'assemblage réel, moi je l'ai pas trouvé, morceau par morceau. Moi ce que j'ai trouvé, c'est qu'elle était déjà montée, pratiquement. J'ai pas trouvé, pourtant j'ai cherché. Alors les gars, si vous avez un lien, ce serait sympa. Quelques secondes plus tard, on sait que c'est dans une piscine, mais nous ce qu'on veut, c'est le montage quoi. Moi je veux voir l'assemblage complet, tu vois, c'est ça je veux voir. Fin de citation. Alors, pour un gars qui cherche, je sais pas trop comment il cherche, il doit pas avoir le même Google que nous, c'est pas possible. Il suffit pourtant d'écrire « assemblage ISS » dans le moteur de recherche. Et voilà le résultat. Première proposition, page Wikipédia, sur laquelle on trouve une vidéo d'Ératosphère. Tiens, vous le connaissez celui-là ? Mais aussi un tableau récapitulatif de toutes les phases de la construction de la Station Spatiale Internationale. Et que voit-on de nos yeux ébahis ? Cet assemblage a commencé en 1998. D'ailleurs, j'invite Monsieur Planétérien à visionner ma vidéo sur la mission STS-88, c'était le tout début. Et la construction a continué pendant plusieurs années, jusqu'en 2011 pour le principal, soit 13 ans d'envoi dans l'espace des différents morceaux. Alors, comment veut-il trouver une seule vidéo de cet assemblage ? Il croit que c'est une maquette Lego ou quoi ? Faut-il lui rappeler que la station est plus grande qu'un stade de foot ? Et que je ne vois pas comment ils auraient pu l'envoyer en un seul morceau, ou même deux ou trois ? Comment peut-on se poser une question aussi bête que de demander de trouver une vidéo de l'assemblage complet de l'ISS ? Alors la dernière phrase de dire « Oui, c'est en piscine, mais on veut voir quand même l'assemblage complet », celle-là, elle vaut son pesant de cacahuètes. De plus, si on va dans l'onglet « Vidéo » de Google, on trouve des animations 3D retraçant l'assemblage complet de l'ISS morceau par morceau. Parce que si vous voulez voir l'assemblage en vrai, ben, il faut chercher les vidéos de chacune des missions de la NASA. Et on peut les trouver, si si, en cherchant correctement sur YouTube, on peut toutes les trouver. Moi je les ai trouvées, donc c'est que c'est possible. Sinon, dans les propositions de vidéos de Google, il y en a des sympas. Deux même. Toujours de ce fameux, comment vous dites, Ératosphère. Ça doit pas être mal sa chaîne, je crois. Alors, messieurs les platistes, comment faites-vous pour écouter ce genre de propos pendant plus de 5 heures sans que votre cerveau ne se retourne ? Si vous en avez un, bien sûr. Vous cherchez à voir l'assemblage d'un truc qui n'est pas censé exister d'après vous. Et si ça existe dans une piscine, comme vous le dites, vous voulez voir l'assemblage. Mais quel serait l'intérêt de montrer et de filmer l'assemblage d'une fausse station dans une piscine ? Bref, on voit le niveau quand on entend ce genre de propos. Et ça ne représente que les premières minutes de leur live, qui a duré, je l'ai dit, plus de 5 heures. J'ai vraiment hâte d'écouter la suite. Allez, n'oubliez pas comme d'habitude, faites tourner. Ciao les terriens.